Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au lancement de mon livre « Lucky Lady », une histoire de sexe, drogue et disco. En temps normal, nous serions tous ensemble, un verre en main pour célébrer, mais vu que ce n'est pas possible, je vais porter un toast à votre santé. Cheers! Mon personnage principal, une jeune fille de l'Outaouais, incarne des centaines de jeunes qui ont voulu vivre le rêve américain dans les années 70-80. Le titre en dit beaucoup. C'est une histoire parfois triste, parfois drôle, mais surtout croustillante. Laissez-moi vous résumer. Après un accouchement difficile et une déchirante révélation familiale, Angélique quitte le Québec pour s'évader dans le sud de la Floride afin de réfléchir à son avenir. Son innocence, la découverte de son pouvoir sexuel, l'exaltation des drogues et sa passion pour la musique disco l'amèneront dans des péripéties rocambolesques. Mais bientôt, la dévastation du sida et le ravage de la cocaïne viendront brimer cette euphorie anticonformiste des années 80. Même si son devoir de mère n'a jamais quitté ses pensées et qu'elle se sent à l'abri dans l'amour, rien ne lui laisse croire qu'elle côtoiera la mort, la CIA et le monde noir du trafic de drogue. J'ai vraiment eu du plaisir à écrire ce livre. J'ai revécu des moments de ces années folles dans les clubs les plus en vogue de l'époque. C'est aussi une belle évasion dans le Sud et on en a besoin. Pour vous procurer une copie dédicacée, vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Si c'est pour un cadeau de Noël ou autre, n'oubliez pas d'inscrire le nom de la personne à qui je dois le dédicacer. Vous pouvez aussi vous le procurer chez mon éditeur, que je salue, les éditions de l'Apothéose, à l'adresse ci-dessous. Il est aussi disponible dans une librairie près de chez vous et en version électronique sur Kindle, iBooks, etc. J'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire. Je voudrais vous remercier d'avoir participé et je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Encore une fois, cheers et à bientôt!